Bonsoir, mes chers amis. Quel plaisir. Cela fait 250 ans que vous vous livrez à moi. Pour une fois, je peux me livrer à vous. Sans vous, je ne suis rien. Pesez bien ces mots. Sans vous, je ne serai qu'un tas de pierres jetées judicieusement au-dessus de ce ruisseau. Et puis c'est tout. Oui. Sans vous, je n'existe pas. Je m'en rappellerai toujours ces moments où des jeunes couples sont venus s'asseoir ici et pour la première fois, ils se sont embrassés. Quelle joie! Je pense que c'est un des plus beaux moments lorsque deux âmes se trouvent. Je crois que vous ne vous rendez pas compte le nombre de personnes qui sont venues s'asseoir ici, qui m'ont confié des choses très importantes. Ils se sont confiés à moi pour des décisions. Si cette vie a été si merveilleuse, c'est grâce à vous. J'ai envie de vous raconter ma naissance. Est-ce que vous connaissez ma naissance? L'histoire de la légende ou la légende de l'histoire, on ne sait jamais très bien. La légende de Lambert et d'Agathe. Et puis, une nuit, venu d'on ne sait où, un homme à cheval arrive à Vresse. Il est fatigué, il frappe à la porte d'une maison, il demande le logis. Et là, ben, on lui donne un lit, un peu de nourriture, et cet homme, cet étranger arrivé à Vresse, va se coucher. Mais quel est son étonnement le matin ? Quand il ouvre la fenêtre de sa chambre, pratiquement tout le village est là devant. Vous savez, dans les petits villages, les nouvelles vont vite. Et tout le monde le matin savait qu'un étranger à cheval, avec une drôle de coiffure, un drôle d'habit, s'était arrêté là. On racontait même qu'il était porteur d'un message. Alors tout le monde attendait ce fameux inconnu. Et vous savez comment il s'appelait? Eh bien, cet étranger arrivé dans la nuit par cheval se prénommait Lambert. Et le voici. Des villageois rassemblés d'un coup, il est sorti et il a commencé à leur parler. Il leur parlait d'un Dieu unique, effectivement d'un message venu de l'au-delà, d'une possibilité de vivre autrement. Ah, Lambert! Bon, Lambert était très fier de lui. Il était sûr de son coup et surtout, il était un peu égoïste. Paraît-il. Mais alors là, il s'est passé quelque chose auquel il ne s'attendait pas du tout, parce que son Dieu unique, ses bonnes paroles et tout ce qui s'ensuit,
Ben, les villageois lui ont dit, ben, mon bon monsieur, on est déjà au courant. Pas de chance. Il dit, mais comment ça, vous êtes au courant? Oui, il y a déjà quelque temps, une femme vient ici à Vresse et nous tient le même discours. On a même construit un petit bâtiment qu'elle appelle chapelle. On vient s'asseoir, on dit des textes. Oui, elle fait exactement comme vous. Alors Lambert, il dit, mais qui est cette femme? Et là, tous les villageois en chœur lui disent, c'est Agathe qui vient de la forêt. Car oui, mesdames et messieurs, régulièrement, Agathe se rendait à Vresse-sur-Semois. Et voici Agathe. Chemin. On ne sait pourquoi elle se déplaçait qu'en charrette, oui, tirée par un mulet ou un âne. Et donc, elle venait de la forêt, elle passait à gué, là-bas, un peu plus haut, sur la Semois. Elle longeait la Semois sur sa rive droite, elle traversait ce pont qui n'était pas le même que celui qu'on voit aujourd'hui. C'était un pont très large, à une seule arche assez plat. Et donc elle venait avec sa charrette, elle allait à Vresse et elle parlait aux gens. Elle leur parlait de ce Dieu incroyable, cette vie qui pourrait être autre. Et Lambert l'a vue. Il a vu Agathe et ça l'a agacé. Je vous l'ai dit, Lambert, il est assez fier de lui, voire égoïste. Il voit d'un mauvais œil. Il voit d'un mauvais œil cette femme qui vient et qui, en fait, lui a volé son message. Ben, elle lui a pas volé. Elle est passée avant lui. Mais ça le rend fou. Et ça le rend fou. D'autant plus qu'au fond de lui, il y a quelque chose qui naît. Il ne sait pas exactement ce que c'est. Il a une forme d'attirance pour Agathe. Pourtant, Lambert écoute ce que raconte Agathe et il trouve que oui, ces rassemblements dans cette petite chapelle, les textes qu'elle donne, la discussion qu'elle a avec les villageois, il se dit quand même, l'union fait la force. Pourquoi se disputer? Autant se rassembler. Alors, au fil du temps, Lambert et Agathe se rencontrent régulièrement pour discuter. Agathe et Lambert, au fil de leurs discussions, vont devenir de plus en plus proches, de plus en plus intimes. Et ce qui avait déjà poussé dans le cœur de Lambert va devenir encore plus grand. Mais pour Agathe, il n'y a rien de spécial. Et un jour, peut-être, il a osé lui dire que il avait peut-être des sentiments pour elle. Et elle lui a dit, pas du tout. C'est juste des discussions, des échanges, s'unir pour donner cette nouvelle parole, cette nouvelle vision de vie aux villageois.
Je vous l'ai dit, Lambert, un peu égoïste, un petit peu du Mali. Il n'entend pas cette réponse. Et les événements vont faire que tout va changer. Oui, cet hiver-là est un hiver très très rude. Le ruisseau ici a gelé, même l'assommoir est gelé. C'est très très difficile, mais Agathe parvient encore à venir jusque Vresse. Elle traverse carrément sur l'assommoir gelé, sans problème. Mais l'hiver va devenir de plus en plus rude et chacun va rester cloîtré chez soi. Plus personne ne peut réellement bouger, aller d'un village à l'autre. Alors Lambert se retrouve seul à Vresse, Agathe ne peut plus venir. Et donc les villageois viennent plus facilement vers Lambert. Mais au fil du temps, les villageois disent « Quand est-ce qu'elle revient, Agathe ?» Parce que on vous aime bien, monsieur Lambert, mais elle, on comprend ce qu'elle dit. Non, elle est plus douce. Et puis, on la connaît depuis plus longtemps. Elle nous connaît bien, vous. On a un petit peu du mal. Oh, ça, pour Lambert, ça fait mal. Et il va en garder une rancune énorme. Il ne verra pratiquement plus personne jusqu'au dégel. Un dégel fracassant, rapide. La glace va créer d'énormes blocs qui vont déferler avec le dégel et le pont qui se trouve au-dessus de ce ruisseau va être emporté par ces blocs de glace et par cette eau sauvage. Le pont va être totalement détruit. Et là, Lambert, il se dit qu'il a la solution. On ne sait comment, c'est lui qui se charge de reconstruire ce pont. Si, si. Et il va carrément dire qu'il faut absolument que ce pont soit reconstruit le plus vite possible, selon ses plans qu'il a réfléchi depuis bien longtemps. Et là, donc, Lambert va pousser. Il va dire à tout le monde, allons-y, construisons ce pont le plus vite possible, suivons mes plans, récupérons quelques pierres de l'ancien, allons en chercher de nouvelles ailleurs, et la construction commence. Ils construisent. Et au résultat, est né ce pont incroyable, ce pont qu'on ne voit nulle part d'autre. Il a 3 arches, il est en dodane. Et ce qui est étrange, c'est qu'il est très étroit. Il empêche maintenant les charrettes de passer. Les villageois ne comprennent pas. Mais ils trouvent le pont assez sympathique. Il a été reconstruit très très vite. Et quand les beaux jours sont revenus, Agathe est revenue avec les beaux jours. Elle s'est avancée, comme d'habitude, vers le pont. Ce pont qu'elle passait régulièrement pour aller voir les habitants de Vresse. Mais une fois arrivée avec sa charrette, comme d'habitude, tirée par son mulet ou son âne, telle fut sa surprise, elle ne pouvait plus passer le pont. Le pont avait été construit trop étroit. Elle regarde, perdue. Les villageois s'approchent, la regardent de l'autre côté du ruisseau, et là, ils croisent le regard de Lambert. Lambert la regarde dans les yeux, et d'un coup, comme une braise, comme un éclair qui sort de ses yeux, Lambert la pétrifie. La colère de Lambert, toute cette rancune, les villageois qui ne voulaient pas de lui, qui préféraient Agathe. Agathe n'est pas fâchée. Agathe n'est pas vraiment en colère. Elle est juste déçue. Et là, elle regarde Lambert droit dans les yeux. Et elle va lui en vouloir toute sa vie. Je vous l'ai dit, les villageois de Vresse s'étaient rassemblés. Ils ont vu tout ceci.
Et là, ils comprennent le plan de Lambert. Pourquoi il voulait construire ce pont avec ses propres plans? Pourquoi il fallait aller aussi vite? Et pourquoi il était si étroit? Tout simplement pour empêcher la venue d'Agathe, qui maintenant était repartie et qui ne revenait pas. De jour en jour, les villageois ont compris le plan de Lambert et la colère a commencé à monter. Tout le village a commencé à se rassembler, à dire « c'est Lambert, il a fait exprès, Agathe ne vient plus, pourquoi Lambert a fait ça? Qu'est-ce qui lui a pris ?» La colère a monté, monté. Et finalement, cette colère a explosé dans tout le village envers Lambert. Dans l'habitude pendant un bon moment. On va discuter. On va se passer différentes choses. Et une nuit, un petit peu comme celle-ci, sous une lune aussi ronde, Lambert est revenu. Il s'était apaisé. Les villageois aussi. Seulement Lambert est resté à Vresse. Les gens l'ont écouté, il a appris à les connaître. Agathe, elle, n'est jamais revenue. Mais, depuis ce jour, ce pont si spécial, ce pont à trois arches en dodane et si étroit, persiste ici, sur ce petit ruisseau qui va se jeter dans la Semois. Et à la fin de sa vie, Lambert est devenu Saint-Lambert et le pont a pris son nom. Agathe est restée à la forêt. Elle est devenue Sainte Agathe, la sainte patronne du village d'à côté. Et on raconte que peut-être lorsqu'ils sont morts, Agathe et Lambert, leurs âmes se sont envolées ensemble. Elles sont parties se rejoindre là-bas, dans cet autre monde, où il n'y a pas de jalousie, où il n'y a pas réellement de colère, ni de guerre. Tout simplement, leurs deux âmes se sont mélangées pour l'éternité. Et ont continué à veiller sur ces deux villages qui n'étaient finalement séparés que par un ruisseau. De Lambert. Je vous l'ai dit,
Si effectivement c'est Lambert qui a construit ce pont, c'est-à-dire moi, eh bien, je n'en ai que quelques bribes. Tout ce que je vous raconte là, ce sont mes vieilles pierres, les plus anciennes pierres, qui étaient là bien avant moi, qui m'ont raconté cette histoire. Et puis je vous l'ai dit, vous, c'est grâce à vous que cette histoire existe. Car beaucoup sont venus s'asseoir, parler à haute voix, me parler à moi, me raconter cette légende, me raconter des histoires, me raconter votre histoire. Et c'est grâce à vous qu'en restant figé là, les trois pieds dans l'eau, je peux voyager à travers le monde. Je peux entendre ce qui se passe au loin. Grâce à vous, je vous l'ai dit, je ne suis rien qu'un tas de pierres jetées judicieusement au-dessus de l'eau. Alors cette légende, cette histoire, mon histoire, faites-en ce que vous voulez. Racontez-la, oubliez-la. Mais elle est maintenant ici, inscrite dans la mémoire de mes pierres.